Et yo YouTube! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner mes recommandations concernant les soldes des French Days chez Maxisport. Des réductions qui vont durer jusqu'au 7 mai. Comme d'hab, je vais vous conseiller uniquement des offres que je trouve intéressantes sur des souris et tapis que j'ai pu tester. Je vous invite clairement à aller voir mes vidéos review avant de faire vos achats d'ailleurs. Si je ne parle pas d'un produit en particulier, ce n'est pas forcément qu'il est mauvais, mais peut-être que je ne trouve pas la promo intéressante tout simplement. Et avant de commencer, je voudrais remercier chaudement Maxisport qui sponsorise cette vidéo. C'est la première sponsor de la chaîne, et quoi de mieux de le faire grâce à eux, qui je vous le rappelle est la meilleure boutique française en ce qui concerne l'équipement des jeux e-sportifs. Ils me permettent de vous créer plus de contenu depuis plus d'un an maintenant en m'envoyant des produits, et aujourd'hui ils m'accompagnent dans cette vidéo pour que je vous parle de leur promotion durant ces French Days. Passons maintenant à ma sélection, et puis je vous parlerai brièvement des autres choses que vous pouvez aussi trouver sur leur boutique. Bien, j'ai décidé de classer en 3 catégories mes recommandations. Il y a les offres banger, les offres bonnes et les offres ok. Comme ça, vous pouvez savoir celles qui valent vraiment le coup. Si un produit vous intéresse et que vous voulez soutenir ma chaîne, je vous mettrai mes liens affiliés en description car mon code promo n'est pas cumulable. Commençons avec la catégorie banger, avec ce que je considère être la meilleure offre de ces French Days, c'est celle en fait sur les Lethal Gaming Gear Saturn. Et cela sur ses 4 différents formats pour le noir ou le rouge. Le 3XL de 120x55 est à 55€, le XXL de 100x50 est à 40€, le XL de 50x50 est à 30€, et le XL de 49x41 est à 25€. À ces prix, il n'y a en fait pas de meilleur choix en termes de ce que vous allez recevoir niveau qualité et performance tout simplement. Si vous ne savez pas quoi acheter comme tapis de souris pour n'importe quel FPS compétitif, c'est ce tapis que je vous recommanderais. C'est un tapis qui est très agréable au niveau glisse et ses frictions sont homogènes et avec une surface pas trop rêche. Niveau vitesse, il est quand même du côté contrôle mais pas lent, il est complètement utilisable pour n'importe quel jeu, que ce soit du CS, du Valo, du COD, du Fortnite, du Overwatch ou du Apex. La deuxième offre intéressante que je vous recommande, c'est celle de la Darmoshark M2 4K qui est à moins de 100€. La version 4K est dispo en turquoise et violette ou alors en noir et rouge. C'est une souris que j'ai testée et review il n'y a pas si longtemps et c'est clairement la meilleure souris en alliage de magnésium petit prix. Quand je dis petit prix, je parle bien sûr pour ce genre de souris. Personnellement, la voir aussi bas et je trouve assez ouf. Elle est aussi à 90€ pour la version noire et blanche qui n'a pas le récepteur 4K inclus et une plus petite batterie placée au centre. Niveau performance, c'est du top tier pour du fingertip principalement, ou si vous avez de petites mains pour d'autres styles de grip. C'est assez proche de par exemple une Ultralight X en small. Faites par contre attention, les trous à l'arrière sont vraiment gros, donc cela peut ne pas vous plaire. Et finalement, pour clôturer cette catégorie, on a le Walrot de Lahonda, qui est à 33€ dans sa taille de 60x50. C'est un excellent tapis hybride axé vitesse, et si vous voulez donc un tapis rapide mais pas aussi rêche que par exemple un artisan Yen ou un Strider, eh bien c'est une surface top tier également. Je trouve l'offre vraiment excellente car cette taille n'est pas commune mais pourtant bah, excellente. Et à ce prix c'est vraiment plus que intéressant. Enchaînons sur la catégorie des offres bonnes, avec en premier la Darmoshark M3S Filaire qui est à 30€. C'est je pense la meilleure souris que vous pourrez trouver à ce prix en vrai. Si vous voulez être au top des performances avec un tout petit budget, eh bien je peux clairement vous la conseiller. Vous aurez un capteur PixArt en 3,95 et un poids proche des 50g, pour une forme qui peut très bien marcher pour pas mal de gens, donc voilà. Elle est dispo en choix de belles couleurs je trouve, avec un gris et orange, ou alors du violet et du noir. Passons maintenant à quelques tapis, avec par exemple le eSport Tiger Taibao. Il est ici à 36€ et c'est un tapis qui faisait partie de ma dernière vidéo où je vous présentais le top 5 de mes tapis préférés. Donc autant vous dire que pour 36€, c'est clairement quelque chose que je peux recommander. Il est plutôt axé vitesse, il est ferme et il possède une surface légèrement texturée avec un ressenti plus solide je dirais que du tissu classique. Si l'artwork vous plaît, je pense clairement que c'est un très bon achat à ce prix. Ensuite, en parlant d'artwork, on a le Lahonda Bliss Doodle Edition, en format carré de 49x49cm, qui voit son prix baisser à 50€. C'est pas le meilleur deal pour un tapis de souris, mais il faut savoir qu'en termes de qualité de fabrication, ben, on est sur le meilleur de ce qui se fait ici. Si en plus vous recherchez quelque chose dans les tons noirs et blancs, et bien voilà. C'est un tapis vraiment contrôle, très smooth et très doux, ce qui le rend donc très confortable en plus de son épaisseur et de sa fermeté. Encore une fois, j'ai une review dessus si ça vous intéresse. Le tapis suivant, venant de la même marque, est le Blitz X-Soft. Un tapis en tissu rapide qui peut être une alternative à l'artisan 0. Mais donc ici à un prix encore plus intéressant au vu des promos en tombant sous les 40€ pour une taille de 50x42. Vu qu'il s'agit de la version X-Soft, très mou donc, il aura plus de forces arrêt débloquables. Le rondon théoriquement utilisable pour n'importe quel jeu. Si vous voulez du tissu plutôt rapide et légèrement texturé, même pour du Valo ou CS, c'est un excellent tapis sans aucun doute. Encore une fois, niveau qualité de fabrication, on est sur du top tier ici, donc à ce prix, ben, c'est vraiment intéressant. Et la dernière recommandation pour cette catégorie seront les manchettes H4X, plus particulièrement les pros, qui sont pour moi les deuxièmes meilleures manchettes en termes de glisse sur une majorité de tapis, après les Zerskin Performance.
Elles sont ici à moins de 20€ pour une paire de deux, ce qui fait d'elles en fait, très probablement, les meilleures manchettes que vous pouvez trouver à 10€ unité. Malheureusement, il ne reste que des tailles XL, qui n'iront, je pense, que si vous avez des bras plutôt musclés, plus qu'ici du coup. Nous arrivons à la dernière catégorie qui concerne les offres OK. On va commencer avec la Lamzu Thorn 4K qui passe sous les 100€. C'est intéressant ici car vous avez directement le récepteur 4K inclus, même si la réduction n'est pas énorme. Si vous recherchez une souris Ergo pour du claw grip, eh bien c'est une souris qui peut clairement exceller là-dedans, en plus d'avoir tout ce qu'il faut au niveau technologie ou poids pour être top tier niveau performance. Je vous reparle ensuite de la DarmoShark M3S mais en version sans fil, qui est à 59€. A choisir, je préfère quand même recommander une VXE R1 Pro dans cette tranche de budget, mais en soi, ce n'est pas pour cela que la M3S à ce prix est un mauvais deal. De plus, si vous aimez avoir un setup custom, elle est trouvable en différentes couleurs, comme par exemple la rouge et noire que je trouve vraiment très belle personnellement. C'est donc une souris très abordable, qui a tout ce qu'il faut, comme par exemple un capteur 33-95 et un poids léger aux alentours de 55 grammes. Ensuite, la dernière souris de cette vidéo sera la Keychron M4 4K, qui est à 80€. J'ai hésité à la mettre car pour moi c'est une souris ultra niche et only fingertip, qui est même à ce prix difficilement recommandable. Cependant, si vous voulez tenter l'expérience du only fingertip, en jouant avec donc une mini souris, même juste pour avoir du fun avec un si petit gabarit car c'est le cas, eh bien c'est la plus abordable que d'autres souris de ce style. C'est pour ça que je voulais vous en parler quand même. Passons sur les tapis avec tout simplement 3 références de chez eSport Tiger. Il y a pas mal de promos sur la marque mais je vais prioriser mes propres recommandations comme d'hab. Tout d'abord, deux tapis de leur Shawn Eyes Series, ces tapis qui se rapprochent donc de ce que peut offrir Artisan, pour 40€ ici. Nous avons le Teng Dao et le Leiling. Le Teng Dao est le choix en tissu assez rêche qui se voudrait être plutôt équilibré. C'est un excellent performer qui peut être utilisé pour une vaste majorité de jeux différents. Le Leiling, lui, sera plutôt un croisement entre du tissu et un hybride, en sortant tout juste de la catégorie équilibré et en plus axé vitesse. C'est l'une des meilleures alternatives à par exemple Artisan Hayate Otsu Soft, en tout cas en termes de texture. Et ici vous aurez de la vitesse et du contrôle, avec une très bonne expérience de glisse, du tout bon donc. Et finalement, le dernier tapis est le Yasheng rouge, que je suis en train de tester actuellement, qui est à 35€. C'est globalement une surface cousine au LGG Saturn, mais avec une base en caoutchouc de 6mm. Ça le rapproche donc plus du ressenti du Saturn Pro au final. Malheureusement, je le place pas au même niveau que le Saturn classique, car lui, bon, en fait, il est à 25€, ce qui vous montre à quel point ben, c'est intéressant. Cependant, si vous recherchez un bon tapis contrôle pas trop cher, épais et confortable et en rouge, eh bien à 35€, je trouve ça complètement ok. Voilà pour toutes les offres que je trouve personnellement intéressantes et que je peux vous recommander sans problème. Cependant, ce n'est pas tout au niveau des soldes car MaxiSport est une boutique française complète qui propose bien d'autres catégories. Je vous mettrai le lien en description qui vous amène à la page regroupant tous les soldes disponibles. Ils dureront jusqu'au 7 mai, je vous le rappelle. Vous pourrez alors vous balader du côté des claviers, des casques, des sièges de bureau, des accessoires pour le streaming, du merchandising comme un large choix de maillots, mais aussi des boissons énergétiques et une catégorie performance, qui va se composer d'autres accessoires comme des manchettes ou des bandes agrippantes pour souris par exemple. Et si vous souhaitez juste être au courant des highlights de ces soldes, vous avez aussi des onglets triés par marque, et juste en bas vous pouvez aussi trier par prix, si vous voulez juste par exemple vous faire un petit plaisir pour le montant que vous souhaitez. Voilà, je remercie encore MaxiSport d'avoir sponsorisé la réalisation de cette vidéo, et vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.